On est bien arrivé à Cape Cape Town. Town. Bon, après presque 22 heures de voyage, on est bien arrivé à destination. On est assez fatigué, mais on a quand même bien dormi sur l'avion, donc ça va. Du coup, on est parti de Paris hier soir. À 19h, on a fait une escale à Francfort et après on a fait Francfort le Cap direct. Il y avait, je crois, 12 heures de vol presque, mais vol de nuit, donc c'est passé assez vite. Et puis là, on est arrivé à notre appartement. Je vais vous faire un petit room tour après, mais c'est trop beau, on est trop bien situé. On a une belle vue sur la montagne, à la Table Mountain. Enfin, on est vraiment bien, on est très content d'être là. Ce qu'il faut savoir du coup sur Cape Town, bah déjà on est sur le même fuseau horaire que la France, donc on n'a pas de décalage horaire avec la France, avec nos clients. Enfin, vraiment, c'est parfait pour nous. Et aussi, on est dans l'hémisphère sud, donc c'est comme l'Australie en fait. Les saisons sont inversées avec l'Europe. Donc là, on arrive, je pense qu'on est en automne et on arrive du coup vers l'hiver, mais ça reste un climat assez ambiant, je sais pas si ça se dit. Mais ouais, il fait environ 20 degrés, donc on a pris des petites vestes. Ça va pas être Bali, mais on a pris des petites vestes et voilà, il fait pas trop froid non plus. En plus, on a du grand soleil et normalement, on va avoir du grand soleil toute la semaine, donc c'est hyper cool. Pour vous montrer l'appartement, ça c'est l'entrée, donc on a quelques miroirs, un couloir dès qu'on entre. Sur la gauche aussi, dès qu'on entre, on a la chambre qui est assez spacieuse. J'ai l'impression qu'on a pas mal de rangements, donc ça c'est hyper cool. Ensuite, juste après, on a la salle de bain avec un toilette juste derrière. Hop, et ensuite on arrive. Hop. Et ensuite on arrive dans la pièce à vivre avec une cuisine qui a l'air hyper bien équipée. C'est hyper joli. C'est hyper bien décoré aussi. Une table pour travailler. Un théo sauvage. Un grand canapé. Une télé. Et puis un hyper beau balcon. Donc on a une hyper jolie vue. Hop, là il y a une rue principale juste derrière. L'architecture elle est trop belle. On a la Table Mountain juste derrière les bâtiments. Et puis là, on a une petite place avec un marché qui est là tous les jours, je pense. Un marché africain. Donc il y a pas mal de touristes. C'est hyper vivant, c'est un quartier hyper vivant. Il y a pas mal de restos aussi autour. On est dans le centre-ville de Cape Town, du coup, on est dans le. Je vais vous mettre une petite map. Dans le Central Business District. Du coup, voilà, ça fait même pas 1 heure qu'on est arrivé. Mais on va sortir faire des courses, acheter le nécessaire pour la semaine. Voir aussi un peu ce qu'il y a autour du quartier, ça a l'air hyper vivant, plein de choses à voir, donc on va se promener un petit peu, on va manger ici, on va essayer de prendre un truc à emporter ou quoi, pas se casser la tête. Cet après-midi, on a quelques trucs à faire pour le travail parce qu'on a accumulé pas mal de retard avec la préparation des valises, tout ça, hier, avant-hier. Donc on va taffer un petit peu et puis ce soir, je pense qu'on va aller à un endroit qui s'appelle Camps Bay, qui est plus à la plage, à 10 minutes d'ici, en voiture, et on peut voir des trop beaux sunsets. Il y a pas mal de bars hyper cool, donc voilà. Nous partons à la découverte de notre immeuble. On sait qu'on a une piscine sur le rooftop et une salle de sport, mais on ne sait pas à quel étage la salle de sport. Donc on va voir tout ça. Donc on a une mini mini piscine sur le rooftop, mais par contre la vue elle est incroyable.
froid. Hier, j'ai pas vlogué, on n'est pas sorti de l'appart, on est resté ici. On a travaillé toute la journée, on a rattrapé un peu le temps perdu et on a passé la soirée à l'appart. On a été faire quelques courses, on a mangé ici. Aujourd'hui, on est samedi, donc on est le week-end et il y a un marché trop cool apparemment qui se passe le samedi et le dimanche. Donc un marché avec plein de bons produits, un marché un peu de fermier, avec plein de fleurs et tout ça. Apparemment, c'est hyper joli, donc on va aller là-bas et c'est dans un coin près du port qui est hyper joli aussi, donc on va se promener à côté. Et puis voilà. Il y a des gens qui chantent là-bas. Petite pause au soleil, on s'est pris un falafel bowl qui a l'air trop bon, là ça ressemble plus à rien, mais c'est super bon. On a un temps de folie. Bon, on rentre du marché, c'était trop cool, yes. On est un peu pompette avec deux cidres en plein soleil, mais c'était trop bien. Il y avait plein de vie, plein de différents stands, de la bouffe, des trucs à manger tout de suite, des légumes, plein de petits trucs. On a acheté de l'huile d'olive avec vinaigre balsamique qui a l'air trop bon. Et sinon, là, on marche, on va jusqu'au centre-ville. Et puis, on avait prévu de manger là-bas, mais on a quand même mangé un petit truc ici, donc on a plus faim. Mais voilà! Ça y est, on est rentré. Il est quelle heure? 15h13. 15h13. Du coup, ce matin, on est parti au marché. On a finalement mangé là-bas alors que c'était pas prévu. Mais c'était trop cool. L'ambiance a été vachement cool. On a trop kiffé. Donc, je pense qu'on y retournera. C'est tous les samedis et les dimanches si vous venez à Cape Town. Et ensuite, on est allé à pied jusque Waterfront, qui est un autre quartier portuaire. Il y avait plein de petits bars sur le port. Plein de chanteurs dans les rues, enfin, c'était hyper vivant. Il y avait un grand centre commercial aussi, mais flemme de rester à l'intérieur, donc on est juste passé comme ça. Mais le quartier était hyper sympa aussi. Et ensuite, on voulait trop aller à Bocap, donc on est allé à Bocap, c'est le quartier avec toutes les maisons colorées. Et ça, c'est un truc que je voulais faire le plus et un peu déçu parce que bah, déjà, il n'y a pas énormément de rues, c'est vraiment. T'as presque 3-4 rues où il y a les maisons colorées, c'est tout. Et puis t'as plein de mendiants, t'as plein de... Enfin, tu te fais accoster de partout, donc tu te sens pas très bien, tu te sens pas trop en sécurité. Donc on est resté 15 minutes et on est rentré. Mais c'est super beau, mais voilà. On va rester chiller un peu ici, se faire une petite série Netflix. Et on va chercher un... On a réservé dans un resto africain ce soir avec plein de danses africaines. Il y a 14 plats africains.
On va goûter à plein de choses, donc on a trop hâte, mais on a réservé à 19h45. Et avant ça, on va essayer de trouver un petit rooftop pour boire un coup, voir le coucher de soleil, tout ça, avant d'aller au resto. Mais en attendant, on a quelques heures devant nous pour chiller. Sur un menu de 14 plats. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, ça a l'air trop bon. Et donc, c'est plein de plats de différents pays d'Afrique. On a le Cameroun, le Nigeria, l'Égypte, Kenya, Éthiopie. Donc, c'est pas juste l'Afrique du Sud. On a la Tunisie, Zanzibar, Maroc. J'ai trop hâte. Ça a l'air trop cool. D'Afrique du Sud, ça c'est autre chose d'Afrique du Sud, c'est un genre de coslo. Là on a du poisson et des crevettes, un plat de Zanzibar et on a un couscous du Maroc qui arrive. Maintenant à Sea Point, donc c'était un peu plus de 5 minutes en voiture de Camp Day. Et c'est une ville près de la plage aussi, par contre la plage n'a rien à voir avec Camp Day, mais c'est très joli. Une longue promenade comme ça. On est rentré de notre promenade, il est presque 4h maintenant, il faut que je monte tout le vlog. Donc ça va me prendre du temps, dans tous les cas, rien de très intéressant dans cette fin de journée. On va rester ici, on va chiller, on va se commander à manger. Je reviens très vite parce que le week-end prochain, on part pour un safari, voir tous les animaux d'Afrique. Ça va être trop bien, on prend l'avion à presque 3 heures d'ici. On reste en Afrique du Sud, mais on est à l'autre bout de l'Afrique du Sud. On part vers le parc Kruger, donc c'est un de nos rêves à tous les deux. Donc je vais évidemment tout vous vlogger tout ça. Et puis je vous dis à très vite.